Salut, on se retrouve pour la suite, finir Genshin Impact avec seulement des catalyseurs. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Tout d'abord, on va enchaîner les quêtes de Dainsleif pour atteindre la région d'Inazuma. Oui, ça serait bien d'atteindre cette région enfin, après tout ce temps, tout ce farm, et aussi récupérer des petites invocations supplémentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, ça fait plaisir, et tous les soirs, on est en live sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à checker. Je pourrais essayer de farmer encore plus les primos. C'est vrai, je peux farmer encore plus les primos pour Coco Goat, mais est-ce que je vais réussir? C'est ça le problème. C'est pas grave, je vais commencer. En plus, il y a bientôt le reset des 4 coachies, donc je vais pas forcément perdre du temps. Vraiment, j'ai toujours les mêmes 4 coachies, c'est toujours ça. Oh! Bah, Dainsleif direct, on va faire un petit donjon avec lui. Ah, mais le donjon, il était trop simple. Oh non, ce moment-là, c'est... Attends, c'est pas à ce moment-là qu'on affronte le raciste des zéros des abîmes, là, ou pas? Non, je crois que c'est dans la prochaine. Non, c'est la prochaine. Ouf, c'est qui ton main sur ce compte? Bah, en vrai, c'est Yanfei, mais pour moi, Yae, je préfère. T'as une vraie équipe? Bah, ouais, hein. Franchement, j'ai une bonne équipe, maintenant. Lisa, c'était avant, mais malheureusement, Yanfei est venu et... Oh! Mais là, on est vers la fin de la quête, là, la première. Mais la quête, elle est... La première n'est pas si longue, hein. Dainsleif, il en a des choses à dire, à méditer. Mais quand sortira-t-il? C'est ça le problème. On le voit une fois tous les ans, mais malheureusement... Je me demande s'ils font un skin de Dainsleif, il ressemble à quoi? Ah, la tenue de base, elle est bien quand même. Mais genre, hey, pourquoi Dainsleif, il a un... Genre, en mode, il est skinny. Genre, ils peuvent pas mettre des gros baggy larges. Régulard, bien repassé, un coup de droite, droite. Y'a Ito, il a des habits larges. Bah, de toute façon, c'est la fin de la quête, tout le monde s'en fout. Oh, niveau 34. Bah, ça fait plaisir. Attends, niveau 34, est-ce que j'ai un petit bonus? Bonus primo ou pas de bonus? J'aimerais bien. À R50 en 5 mois, c'est bien, c'est très bien. Après, vous savez, Genshin, je trouve que c'est un jeu, le plus important, c'est d'atteindre la R40. 45. Non, il n'y a pas de primo. T'as les chiens. Putain, dommage. Ah, il y a Gunyu. Peut-être celle-ci, hein. C'est quoi ton pire cauchemar sur Genshin? Paimon soit la méchante, en vrai. Comme vous l'avez remarqué, j'ai fini la première partie de la quête de Dainsleif. J'enchaîne ensuite la seconde partie. On commence avec le premier donjon et je le trouve plutôt agréable. Vraiment, la quête de Dainsleif, c'est un avantage, c'est que c'est pas très long. Ouais, par rapport aux quêtes de Liyue et d'Inazuma ou même de Sumeru, là, t'as des quêtes qui sont beaucoup plus rapides et aussi beaucoup plus intéressantes. C'était peut-être la scène la plus gore que Genshin Impact a fait. Genre les petites taches là, une personne qui est sans vie, ils ont jamais fait le même niveau. Ils ont jamais atteint ce niveau-là de gore, entre guillemets gore. Bah, une dinguerie. Raciste, je veux pas savoir. Oui, oui, allez, allez. Et mal les dégâts, je te bouffe. Ah, il s'arrête juste là. Oh, bah c'est bien. Ah, j'avais zappé. Oh, bah c'est nickel. Bah c'est un bon affrontement, ça. Bah, y'a pas de problème. Et dire que j'ai recommencé cette quête 5 fois à mes débuts honteux. Mec, tu fais une single, t'as coco. Non. Non, là, c'est bon. En fait, dans le chat, je vais arrêter de faire les singles. J'arrête. C'est fini. J'arrête les singles. Parce qu'en fait, à chaque fois sur le live, on fait des singles, je me fais baiser. Donc là, c'est fini. Je fais une multi. C'est bon, je fais une multi, je vais économiser là. On arrête les conneries. Pourquoi t'en vas pas sur Nomade? Parce que coco. Oh, Razor qui se fait brutaliser. Eh, hey, Razor, j'ai même pas remarqué, mais il a des boucles d'oreilles. Il a une boucle d'oreille là, là. Regardez, j'avais jamais capté. Première fois que je fais attention. Comment il a une boucle d'oreille alors qu'il est SDF? Genre, il a réussi à avoir ça? Bon, première phase, simple. Deuxième phase, là, ça peut se compliquer un peu. Ah. Ah. C'est un peu long quand même. J'ai juré que t'es plus fort que moi alors que je suis à R45. Non, t'abuses. Barbara. Mais vous avez vu pourquoi je veux pas Barbara? Parce qu'en fait, Barbara, je sais pas. Déjà, elle mouille. Ça, c'est un problème avec Barbara. Elle se mouille, c'est ça le délire en fait. Donc au final, quand tu te fais taper, des fois t'as une réaction sur ta gueule en fait. Donc ça, c'est relou déjà, premièrement. Deuxièmement, Barbara. Troisièmement, c'est Barbara. Donc c'est bon. Kokomi se mouille pas? Bah non, Kokomi, elle se mouille pas. Kokomi, elle se mouille pas. Mona, elle se mouille pas. Personne se mouille, y'a que elle. C'est ça le problème en fait. Ah, c'est vrai, il y a eu le reset. Oh, bien joué. Alors j'ai fait comme ce que j'avais fait au début. Je fais mes quêtes quotidiennes encore une fois. L'avantage d'avoir un reset à 22h, c'est que je peux enchaîner deux fois une quête quotidienne d'affilée, et ça c'est quand même vachement cool pour l'XP et même pour récupérer des primogèmes assez facilement. Je suis Hunter, t'as une Gadji. Ah, je vais faire le donjon. Malheureusement, ça c'est un peu le donjon qui va être chiant. Normalement, je vais affronter, je sais plus si c'est 2-0 des abîmes ou 1. Non, je crois que c'est qu'un seul, faut pas abuser. Hein. Oui, c'est un seul. On affronte la peau direct comme ça? Oh, c'est direct! Okay. Allez, y a Prime. Je vais casser la barrière en premier. Ça va, pour l'instant, c'est simple. Je
je vais essayer de mieux jouer Yanfei. Ouais, mais j'ai cru que j'avais esquivé ça. Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas d'endurance avec Yanfei. C'est ça le truc. Je peux pas esquiver en fait. Parce que si j'esquive, je perds de l'endurance. Il faut que j'ai la CA en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas l'endurance max. Genre, je suis à 210 d'endurance. Je pense que ça compte ça. Arrête! Raciste, va. Oh. Oh, le pouvoir. It's my enemy. Qu'est-ce qu'elle fait, la Loméen? Elle boude en gros. DJ Lucky. Oh putain, la cinématique, elle est vraiment baisée. Hein. J'ai aucune hype. La Dainsleeve Goat. Voyageuse. Plop, réussi. Ensuite, après la quête de Dainsleeve, j'ai décidé de faire la suite de l'événement qui est disponible pour récupérer les primogèmes. C'est 420 en tout. Donc, faut profiter. Et en plus, c'est assez simple. Honnêtement, avec ma team, j'arrive à réussir toutes les parties de l'événement. Succès par contre. Ah non, en fait. Ah, je pensais que j'en avais plus. Ah, mais si, ça va là encore. 10. D'accord. Ça va. Et je crois que sur mon guide de l'aventurier, j'ai deux pierres de la fatalité avec une pierre. Ah, juste une. Donc, calme. Je pensais que c'était deux, moi. Ah, c'est pour ça que la quête, elle était pas longue. Hein. Vent d'automne et feuilles écarlates. Oh, c'est la quête de Kazuha, ça. J'ai promis, on l'a fini aujourd'hui. Bon, la quête de Kazuha, c'est un peu particulier. Parce que cette quête-là, ça sera un tournoi. Oui, malheureusement, mais c'est pas un tournoi comme les autres. Ça, c'est un tournoi où il y a seulement un personnage qui sera requis pour faire le tournoi. Et ça sera la voyageuse. Mais vous le savez très bien, moi, actuellement, je fais un défi, finir Genshin avec seulement des catalyseurs. La voyageuse est une épéiste à une main. Donc, ce n'est pas comptabilisé dans le défi. Mais comme c'est obligatoire pour continuer mon aventure, j'ai donc décidé tout de même de jouer la voyageuse. Je suis désolé, c'est un peu de la triche, mais je n'ai pas le choix, sinon je ne peux pas avancer. Si seulement la voyageuse était catalyseur, je l'aurais fait sans forcément tricher, mais là je pouvais pas faire autrement. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Les combats sont assez simples, hein. Honnêtement, la voyageuse elle est boostée, même si je l'ai montée level 20 à peine. Bah, elle carry très bien la situation. Ensuite, on a une deuxième partie dans la quête, on doit suivre un bandit, on doit l'affronter, c'est assez simple, on le bat aise. Ouais, Catherine, big up. À propos du voyage vers Inazuma, c'est bon. Et oui, Polia Prime qui va, Inazuma, non, c'est bon, c'est fini tout. C'est bon, je vais devenir un GOAT. Je suis plus investi sur mon compte catalyseur que mon premier compte, je vous assure, j'ai plus farmé. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas découvert cette cinématique là. Tous les bandeurs de Japon, ils étaient trop contents. Bon, je vais prendre la statue de 7, je crois qu'elle est ici normalement. Eh mais les musiques d'Inazuma, c'était quand même quelque chose, hein. Quel poulet, hein. Purée. Non, c'était fort. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, il y a juste des gens. J'ai combien d'invocations là? 601 et 2 pierres de la fatalité. Ah, c'est pas mal, je suis à la moitié d'une multi là. Hein. Allez, je crois que je vais économiser. Là, c'est sûr, j'économise. Parce que là, si je farme le gouffre demain, il y aura la multi simple. Je vais faire. Invoque? Non, 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 non. Non, dans le chat, je ne ferai plus cette erreur là. Il y a le reset shop. Oh, oui. Après que j'ai atteint la région d'Inazuma, oui, j'ai enfin réussi, c'est incroyable. Je décide de faire 2-3 petits trucs à droite à gauche, récupérer mes premiers électrocoulous, aussi commencer la quête d'Archon un peu, hein, bien entendu, je vais pas aller trop loin. Comme ça, l'intro est finie, essayer de prendre aussi les points de téléportation, faire un peu la base quand tu rejoins une nouvelle région. Je pense qu'on a tous commencé par là. Voilà, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai débloqué un peu la cité d'Inazuma. Je vais pas continuer la quête en jaune, j'ai déjà beaucoup joué, ça fait 3 heures et quelques que je joue sur le compte catalyseur. On va se calmer un peu, mais ça fait plaisir. Aujourd'hui, ça a bien farmé. Vraiment, je suis content. C'est cool. Je vais juste voir. Attends, Catherine, elle est où déjà? J'ai récupéré la le bonus là. Elle est là, je crois. Catherine, elle est par là. Je vais juste récupérer le bonus. Le bonus, il donne quoi déjà au niveau 35? Attends. L'île de Seirai. Et je parle à Catherine. Ah, mais je crois que Catherine, elle va me donner un truc, hein. Des primos, non? Ah non. Bah, je récupère les récompenses. Oh, niveau 35, il donne pas de primo. C'est des rats, clos. Bon, là, il y a des primos, mais la quête d'élévation, je vais pas la faire tout de suite parce que sinon, je vais un peu galérer. L'élévation, ça va pas être si simple. Je vais pas la faire pour tout de suite, je pense. Hein, non, je vais me calmer. Bah, c'est tout en vrai. Bah, merci en tout cas pour ceux qui ont visionné le concept finir Genshin avec seulement des catalyseurs. On se retrouve dans les prochains jours, normalement, pour YouTube. Malheureusement, pour Twitch, pour vous, ça va peut-être être demain, donc c'est pas pareil. Mais merci à vous d'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.